Donc, si on trouve au cœur de la Nouvelle-Guinée, que chez les Ankavé? Les Hombo, c'était la catégorie générale des Sangouma. Les Sangouma, c'est des gens qui balancent des objets à l'intérieur du corps. Il y en a plein les Andes, il y en a plein l'Afrique, il y en a plein partout. Bon, très bien. Mais les Hombo, aussi, c'est des maternelles, ce qui n'est pas le cas partout. Mais donc je me suis mis à lire sur la sorcellerie de chez nous. J'ai lu. Bon. Et les meilleures synthèses sont celles de Carlo Ginzburg. Je peux vous dire le titre, ça c'est bête. Et le gros livre de Vachetel. Donc il y en a un qui va s'appeler Les sorcières et leur monde, et l'autre, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Ginzburg et l'autre, c'est... J'ai dit Vachetel ? Non. Bechtel, c'est les Pichtakos qui justement ressemblent fichtrement aux Hombo, mais c'est une autre histoire. Bechtel, c'est formidable pour d'autres raisons. Et le sabbat classique, c'est des femmes, sauf quand c'est des hommes. Ça se passe la nuit, sauf quand c'est le jour. Il y a un festin, on danse, sauf quand on danse pas. On embrasse le cul du diable, sauf quand il n'y a pas le diable. En Écosse et en Angleterre, pendant je ne sais combien de siècles, le diable n'y apparaît pas. C'est le mal absolu. On se dévore entre soi. On passe des petits-enfants de main en main. Ça se passe la nuit. On se transforme en animaux. C'est pareil. Alors, de deux choses l'une. Ou bien il y a un vieux fond euro-asiatique, comme dit Ginzburg, pour expliquer l'apparition de la sorcellerie européenne comme une cristallisation de ce vieux fond eurasiatique de chamanisme, dans lequel le chamanisme, on fait rentrer tout ce qu'on veut sur la planète, qui a cristallisé, pour des raisons historiques que Ginzburg écrivait évidemment magnifiquement, ou bien l'esprit humain est capable d'inventer ça dans des endroits différents. La probabilité pour qu'il y ait du fusionnisme est nulle. Elle est nulle. Pour un, on n'a pas de prêtre, même s'il a été grignoté sans qu'on s'en aperçoive, on n'a pas de... Je dis ça parce que la toute première personne qui est passée chez les Barouya était... pour ce qu'on en comprend, un pasteur noir qu'ils ont un peu bouffé, qui ont un peu mangé. Et après, ils ont dit, bon, on n'a pas compris tout de suite, mais ils disaient, friend. Bon, voilà, mais on m'a montré, on me dit, on sait qui l'a tué, on sait où on l'a tué, mangé, je crois pas, on sait qui l'a tué, on sait où on l'a tué, on sait où on l'a enterré. Mais la probabilité, même si vous arrivez clé en main avec une Bible et que vous êtes, pour quelques raisons, vous avez du sabbat européen plein la tête, pourquoi les gens l'adopteraient? Bon, ça c'est le premier truc. Alors le résultat important, c'est que dans cette société, chez les Ankavés, tout converge. Pourquoi on est malade? Que font les chamans? Pourquoi les gens vivent dispersés aux quatre coins de la forêt? Pourquoi mon oncle maternel qui est gentil, qui me fait des câlins, pourquoi mes parents sont complètement tremblants en se disant « Oh là là, il va leur balancer un mauvais sort, on n'a pas donné assez de gibier ». Conception de la vie par le sang, relation entre la frère et la sœur, j'ai dû en oublier. Tout ça, ça converge vers ce moment de la cérémonie lors de laquelle on chasse les morts vers le pays des Hombeux. Oui, c'est le détail. Alors, il faut quand même que j'arrive à dire deux mots du tambour. Tambour autour duquel j'ai tourné pendant un bon moment, mais c'est grâce au tambour des cérémonies encavées que j'ai pu rapprocher, pour le meilleur à mes yeux, tout ce que j'avais fait en description des techniques, des objets techniques et des actions matérielles, et tout ce que je faisais comme un bon spécialiste de la sorcellerie, des échanges, de tout ce que vous voudrez, et des initiations en Nouvelle-Guinée. L'histoire se passe de la manière suivante. Les morts récents ne sont pas très sympas, mais bon, ils grignotent simplement les pieds des gens. Hein, ils viennent la nuit, ils grignotent les pieds de leurs femmes, de leurs enfants, en disant « je m'ennuie là-haut », tout ça. Enfin, là-haut, là, je m'ennuie là-bas, pas c'est pas là-haut, c'est en dessous, justement. Je m'ennuie là-bas, je m'ennuie tout seul, tout ça. Et puis ils se décomposent, ils sont dévorés par les Hombo. Les Hombo, c'est les Hombo qui transforment les cadavres en os, hein. ils, ils, font,
c'est eux qui détruisent les parties molles. Les gens, dans le temps, on mettait les cadavres des hommes, des femmes, dans des paniers au-dessus des jardins, et apparemment, on n'y allait pas voir très souvent, parce que ça ne sentait pas très bon. Et un jour, on venait, et effectivement, il ne restait plus que les os. Il était temps de battre tambour. Alors, battre tambour, pour battre tambour. Le tambour, un jour, des gens, dans le temps, ils n'étaient pas très, 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 très fins, nos ancêtres. Les femmes tournaient en rond, on ne sait pas bien comment, mais vous savez, c'est des femmes, etc. Elles avaient des entre-deux de bambou qu'elles tapaient par terre, ça faisait toc, 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 vraiment. Et puis un jour, un ancêtre a entendu un bruit extraordinaire, baroum, 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 baroum. Donc dit le mythe, il est monté au sommet de la montagne, ça ne venait pas de là, il est allé au fond de la vallée, ça ne venait pas de là, il s'est approché à un moment, et là, il y avait une mare qui s'est mise à tourner, à tourbillonner, un premier objet en est sorti, il l'a raté. Et il entendait du chanter et des coups de tambour dans le fond. Enfin, nous, on ne savait pas encore si c'était un tambour. Un deuxième objet est sorti de l'eau au milieu du tourbillon et il l'a pris. Il l'a caché sous sa cape d'écorce et le soir, pendant que les femmes faisaient toc, 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 il a fait baoum, baoum. C'était beau à te couper le foie. Et beau à te couper le foie en encavé, ça veut dire que c'est vraiment très, très, très beau. C'était beau à te couper le foie et depuis ce jour, on fait ça. Bon. Il y a des masques, les gens battent les tambours, ça fait un roulement qui rappelle le serpent qui est devenu le tonnerre, ça c'est sûr. Le lendemain matin s'est dit, moi je voudrais bien, il est formidable ce tambour, on va en faire d'autres. Mais en même temps qu'il jaillissait de l'eau, il y avait une feuille dessus. Ah, mais c'est la feuille de l'arbre dans lequel on fait des tambours. Hop, ils ont arrivé contre nous. Il a pris l'arbre, il a coupé les tambours, il dit, mais comment on fait pour, il nous faut une lime, il faut faire du feu à l'intérieur, une lime. Ah, mais là, voilà la feuille de la liane qui est pleine de piquants, qui fait une lime. Ça. Bref, en même temps que le mythe vient la chaîne opératoire, qui permet de fabriquer les tambours. Puis après, quelqu'un dit, oui, mais on n'a pas de membrane. Et là, un type a dit, mais prenez la peau de mon cou, je ne mourrai pas, je me transformerai en poisson, en serpent, et vous inquiétez pas du tout. Hop, voilà. Donc, seuil d'éternité et tout ce qu'on voudra. Je fais l'histoire brève. Les masques qui battent, alors ça aussi, ce n'est pas le hasard, c'est juste le temps d'anthropologie qui est très lent. Les types battent les tambours en battant, il y a une sorte de cône au-dessus de leur tête. Ce n'est pas un masque, ils ne sont pas cachés. Dans le temps en écorce battue, désormais en tissu. Et puis ils appellent ça Nuimbros, qui veut dire l'oiseau de paradis. Et il y a deux plumes au bout de badine qui battent comme ça. Et les gens m'avaient dit, mais tu sais, on s'en sert aussi pour le faire. On ne nous dit pas, on fait ça discrètement, mais on trempe dans l'eau de je ne sais quoi, et on fait ça, et c'est pour une magie d'amour. Viens, viens, viens. 20 ans plus tard, j'ai vu un documentaire japonais, et on voit qu'il y a un oiseau de paradis qui, pour attirer la femelle, balance ses plumes caudales par-dessus la tête et il fait viens, 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 viens. Donc je comprends pourquoi ça s'appelle oiseau de paradis. Avant on disait on ne sait pas pourquoi. Donc en gros, les gens battent tambour, ils attirent les esprits des morts récents. Le tambour, quand il est apparu, il a flotté entre deux eaux à un moment. Entre les deux mondes. Parce que oui, j'ai oublié de dire, les Hongos vivent sous l'eau, bien entendu. C'est eux qui ont donné les tambours aux êtres humains. Mais qu'on a fait quelque chose de pas bien, avant on ne mourait pas, maintenant on meurt. Donc les Hongos, ils sont aussi à l'origine de la mort. Et le tambour a flotté entre deux eaux. Donc, je vous la fais courte pour l'anthropologue. Viens, viens, on attire l'esprit du mort récent, le pissing ainsi, oui, qui passe dans le double entonnoir, psychopompe. Le pissing ainsi, oui, arrive dans le monde des hombos. Au moment où on est en train de boulotter son cadavre. Je sais, c'est 18 mois plus tard. Chacun ses mystères, moi je ne sais pas pourquoi. Et on bouffe ses voilà. Voilà. Donc cette cérémonie, elle est le moment où on sait pourquoi on doit penser ensemble la résidence, le mariage, l'origine de la vie, le comportement vis-à-vis des oncles maternels, l'imputation générale du malheur, la différence entre les hombos et la sorcellerie, pour quand tu voles, ce n'est pas les mêmes symptômes, ce qu'on est en train de faire, de chasser un type, un monsieur ou une dame, son esprit, enfin, la forme qu'il a, à jamais, pour l'oublier. Et on sait... C'est dans l'utilisation du tambour, du mythe d'origine du tambour, de la chaîne opératoire du tambour, de l'utilisation physique du tambour. On le balance avec l'extrémité ouverte vers le centre du tourbillon, comme ça. Voilà. Alors, en même temps que je voyais ce tambour, je suis tombé sur pour alimenter ce rite de mort, on doit capturer les anguilles.
Donc on est allé avec Pascal, loin dans la forêt, voir faire couper des arbres, arracher des écorces, faire des pièges à anguilles, faire un petit rituel, poser des pièges, faire un petit rituel. Le cave fabrique 6 ou 7 pièges à anguilles, il va les mettre dans sa portion de son bief, la portion de torrent qui lui appartient, le caler très mal avec des pierres d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, et mettre dans l'eau. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, on a attrapé les anguilles, on prend les anguilles, on tue les anguilles, et on donne des anguilles, c'est la partie la plus compliquée, c'est on donne des anguilles pour compenser les maternelles. Moi, je n'ai pas toujours tout très très bien compris, c'est un peu compliqué. Bon. Très bien, donne des anguilles, mais aussi pour les paternels. C'est un peu, ça, c'est franchement compliqué, ça ne tient pas en 30 secondes. Toujours est-il que, avant de mettre le tambour, les pièges à anguilles dans l'eau, le monsieur qui est responsable de la cérémonie, c'est toujours comme tout seul, hein, il avait une personne pour l'aider, il les met, il y en avait 7 ou 8, devant un petit présentoir, avec toutes jolies feuilles qui sont jolies en couleur et qui sentent bon. Vient une femme, idéalement sa femme, qui prend du sel, Barouilla comme toujours, qui est arrivé là par commerce intertribal, avec un petit bâtonnet, lui bande les arcs, hein, c'est des pièges, sont des nasses, avec un arc qui, en se déclenchant, ferme la porte. Hein, tout au fond, il y a un appât, avec une petite grenouille, l'anguille rentre dedans, veut bouffer la grenouille, déclenche le piège, l'arc se détend, la porte se ferme. Très bien. Le type bande les arcs, au sens propre. Et la femme vient, et clac, 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 ça dure 8 secondes. En 8 secondes, elle détend tous les arcs. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle vient de rejouer le mythe d'origine des anguilles. Quel est le mythe d'origine des anguilles ? Dans le temps, il y avait un homme qui avait un pénis très, 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 très long, qui passait sous terre et qui allait importuner les femmes qui travaillaient dans les jardins. Une fois ça va, deux fois ça va, trois fois il y en a une qui en a eu marre, dont on ne sait pas le nom, mais elle en a eu marre. Et elle a fabriqué un motet, un piège à assommoir, mais d'un type très particulier, qui n'existe pas. C'est un piège à motet doublé d'un long couteau de bambou. Le type a envoyé son sexe à distance, schlac, qui a été coupé. Il a été coupé à la taille standard de tous les hommes. L'autre morceau est parti dans l'eau. Alors là, c'est plus compliqué. Il est devenu l'ancêtre de toutes les anguilles, le maître des anguilles, la première anguille. Bon, tout ce qu'on veut. Autrement dit, la femme, elle rejoue ça. Et ça explique aussi pourquoi le piège est costaud. Un piège à anguilles, il est surdimensionné. En termes mécaniques, il y a des frettes, il y a des renforts. Tout est attaché à tout. Il y a un exosquelette. Une anguille puissance 10 n'en sortirait pas. Mais si c'est des morceaux de pénis, nous comprenons aisément pourquoi le piège doit être très très solide. Le point important, c'est que je vois ce piège. Il est très joli. Il a été décoré avec des feuilles qui sentent bon. Pour faire plaisir au maître du gibier qui va envoyer des anguilles. Au maître des anguilles qui va envoyer des anguilles. Il est très bien, c'est sûr. C'est un objet technique qui va capturer des anguilles, incontestablement. Il rejoue le mythe. Et il est au cœur d'un rituel. Alors, en même temps, se montait le musée du Quai Branly, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Enfin, ce n'est pas une idée, c'est une constatation. Si je regarde cet objet comme un piège à anguilles qui en plus sert dans le rituel, ou un objet rituel qui en plus sert à attraper des anguilles, ou un objet qui me permet de penser à un mythe, soit dit au passage, ce n'est pas pour dire du mal d'Alfred Gell, qui était un immense chercheur, un immense... remarquable monsieur, plein d'idées qui vont nous faire tous penser pendant très longtemps pour tout ce qu'il a écrit en anthropologie de l'art, mais ce qu'il a écrit sur le piège à anguille en cavé, c'est pas ça. Lui, il a dit qu'il y avait la force des ancêtres dedans. Et l'ethnographie dit pas ça. C'est pas parce qu'un truc vous a été donné par les ancêtres que les ancêtres sont là pour vous aider à capturer les protéines. Ça, ça n'existe pas. Fin de la parenthèse. Cet objet, il n'est pas rituel ou mythique ou technique ou genré, pas rien, quand même, de mettre les pénis à la bonne taille, ça sert à quelque chose, c'est quand même l'origine de la sexualité, mise tout au passage. Il est le tout. Et au lieu de dire tout est dans tout, hein, c'est de l'analyse de machin, tout se renvoie à tout, faut surtout pas séparer le technique du rituel, oui. Mais la question nouvelle qui se pose, c'est en quoi et comment les objets permettent-ils de penser cette complexité ? Pourquoi les objets permettent-ils de penser... Il n'est là que parce qu'il est technique, rituel. Enfin, il n'est là, à cet instant-là, technique, rituel, esthétique, genré et tout ce qu'on voudra. Quelle est la puissance de la culture matérielle à mettre des bouts les uns avec les autres ? Alors, on a une réponse. J'ai déjà derrière moi le bouquin du très regretté François Sigaud, 12 euros aux éditions du CNRS, qui s'appelle « Comment Homo devint Faber ?» Et Sigaud, qui par ailleurs était un historien d'agriculture, qui a écrit
texte extraordinaire sur l'évolution des agricultures européennes. C'était un séminaire qu'il a fait chez Godelier, qui était publié à compte d'auteur Renéo. Je pense qu'il a été publié après, mais c'est simplement sensationnel. Enfin bref, bon, on ne parle pas de ça. François Thigault, qui voulait nous expliquer le fonctionnement des fossiles, le fonctionnement des faux, le fonctionnement des meules, le rôle des silos dans l'histoire. Il avait fait le travail avec Testard et tout ça. Il a écrit ce chef-d'œuvre aussi. Il a aussi écrit ce chef-d'œuvre dans lequel il dit « Une action technique est le prototype d'un... » C'est moi qui dis ça comme ça. « Une action technique est toujours un système. » L'action technique efficace, il y a toujours le marteau, le clou, le bras qui pousse le clou, le savoir et le mur. S'il en manque un, il ne se passe rien. Voilà. Et François dit, nos actions techniques sont un prototype pour penser les relations sociales. Et j'ajoute, c'est le prototype d'action relationnelle efficace. Alors vous me direz, téter le sein de ma mère, c'est aussi une action relationnelle efficace. C'est possible. Mais les actions techniques, elles sont universelles. Avant notre naissance et au-delà de notre mort, avant notre naissance, la grand-mère tricote déjà de la layette, et après notre mort, on s'occupe de notre cadavre. Et François Thigault, que je synthétise, si les gens passent, non pas par des histoires de symboles techniques, forcément, mais par des actions techniques pour penser les relations humaines, c'est peut-être parce que c'est le prototype, l'exemple d'action qui marche, qui ne marchent que parce qu'elles sont relationnelles. Moi, ouais, je trouve chapeau. Alors ça, je m'en suis aperçu après avoir écrit mes bouquins, mais en attendant, c'est quand même tout à fait merveilleux. Donc la question qui se posait, à partir de là, c'était de comprendre comment fonctionnent les tambours, et comment fonctionnent les pièges en anguille, et comment fonctionnent d'autres choses. Mais ça, c'est un autre livre que j'ai écrit plus tard. Je pense que j'ai rien oublié sur... Bah, oui, alors évidemment, on a vu les... Pour éclairer ça, il a fallu accompagner les gens, enfin le monsieur, la petite bout de famille, et dormir en forêt pendant qu'on allait fabriquer des pièges à anguilles. Il a fallu constater que même avec deux boules caisses dans chaque oreille, il n'est pas possible de dormir pendant que les encavés battent des tambours, donc elle est avec eux, tambour trop la nuit, parce qu'il y a aussi une rivalité. C'est sûr que celui qui bat tambour le plus longtemps possible a gagné, et celui qui ne dort pas a gagné, quoi, quand même, c'est formidable. Enfin bon, on est allé la nuit voir les gens bandons, tambour, pas trop tambour, il paraît que dans le temps ça paraît c'était pendant des semaines, nous c'était pendant 5 jours, 6 jours, et c'était bien suffisant, parce qu'après on rentre à l'aube sur le coup des 6 heures du matin, on s'effondre sur son lit, et là il y a évidemment un gars qui passe gentiment près de la maison, qui fait toum toum toum, et qui sur le coup de 2 heures de l'après-midi, t'as pas entendu un bruit bizarre Pierre ce matin? Ouais, merci beaucoup, ça c'est de l'humour, c'est pour rigoler, enfin bon. On a fait ça, on a recueilli les mythes. Ah oui, le mythe. Moi, un jour, il y a un monsieur qui était donc, il a raconté sa vie. Ça devait être la semaine où j'avais dit quiconque a des histoires de mythes, des histoires de dans le temps, des vraies histoires de mythes. Hein. Il y a les histoires souches et puis les histoires des ancêtres. Là, c'était une histoire souche. Et un type me commence à me raconter une histoire de Rongo, comme s'il les avait vus, quoi. Et puis il sort, ça, il me dit, oui, ils mangent ça, ils font comme ça. Un de ceux qui m'a dit. Là, ils décorent la plateforme sur laquelle ils ont mis le cadavre, ils découpent comme ça, ils mangent comme ci, tout ça. Et il me dit, d'ailleurs, il ne les touche pas avec les doigts, les cadavres, il les mange avec ça. Il fouille dans son petit sac en filet et il me sort deux baguettes japonaises, chinoises. Alors là, il ne faut pas se marrer. Donc j'ai dit, oui, absolument, je suis sûr que c'est avec ça qu'il les mange. D'où venaient les baguettes chinoises? D'un restaurant chinois de Port-Moresby ou de Lé ou de Dieu sait où? Mais c'est vrai qu'il mange avec des baguettes, hein, c'est sûr, il mange les cadavres avec des baguettes. Et là, je me suis dit, tu tiens un bon morceau, quoi. Et donc, j'ai travaillé avec plusieurs chamans et puis tous les gens qui voulaient, donc, sur l'origine de ces initiations. Alors, les hombos, ils sont de ces rites mortuaires. Les hombos, ils sont intéressants aussi parce qu'il y a une véritable combinaison structurale quand on regarde à l'échelle de cette petite région de Nouvelle-Guinée. Qu'est-ce qu'on fait des cannibales? Alors il y a des gens non anga comme les forêts qui mangeaient leurs morts, ou comme les guimis qui mangeaient leurs morts. Il y a des gens anga comme les barouya qui mangeaient leurs ennemis. Il y a des gens comme les encavés qui ne mangent pas leurs ennemis, mais dont les morts viennent dévorer. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entité cannibale qui est chez les Hombo, hein, c'est un être humain méchant, etc., qu'on ne peut pas reconnaître, mais c'est quand même mon oncle maternel, sous une forme ou sous une autre. Et il a en lui cette entité, hein, elle est là, il l'a en lui, il l'a dans le ventre. Ça c'est pour l'encavé. Chez les Barouya, il y a des chamans qui ont une entité cannibale en eux.
Kaman Gulaka qui est allé sur une plateforme récupérer l'esprit d'un mort glaïeux, donc ça devient un Glekulaka. Un Glekulaka, c'est comme un hombo, sauf que c'est vivant. Ça va couper le foie, en vrai, des ennemis, enfin en vrai, on se comprend, des chamans ennemis et des guerriers ennemis la nuit. Et ce grand chaman, il est aussi un guerrier. Hein. Puis, Laurie et Descola ont écrit un livre sur les guerriers, un article sur les guerriers de l'invisible. Donc ils vont faire la guerre de façon invisible. Ils se comportent comme des hombos, mais en pour de vrai, sauf que c'est l'esprit auxiliaire du chaman qui va découper le foie du guerrier ennemi, qui va l'abrutir, qui fait apparaître des rochers de façon à ce que l'ennemi qu'on puisse se dissimuler pour l'ennemi. Mais de temps en temps, les Glekulaka, alors l'explication est hallucinante, c'est s'il a vu une jolie femme dans un jardin. Alors ça, c'est la fin de l'ethnologie, mais c'est tout ce qu'on n'a jamais obtenu. S'il a vu une jolie femme dans un jardin, le Glekulaka peut se retourner contre les siens et dévorer quelqu'un chez les Barouya. J'arrête là. Si j'ajoute que les chamans Barouya sont des experts rituels qui ont leur propre rôle dans les initiations masculines, si j'ajoute que les Ankavés ont des spécialistes de la guerre invisible, qui sont des hommes, sans entité cannibale, qu'on appelle les Toherwa et les Kwi-ye, qui eux aussi vont affaiblir à distance l'ennemi, etc., lui couper le foie, non, qui vont affaiblir l'ennemi, on voit qu'il y a une combinaison littéralement arithmétique très simple. Je te retire l'entité cannibale là, je te la mets là, du coup le chamanisme n'a plus de rapport avec la guerre, et ici le chamanisme a lieu avec la guerre, il n'est plus dans l'initiale. Ça c'est formidable, là ça rendrait un œil. Bon, on n'a que deux cas, mais il en faudrait 12, mais le structuralisme ne peut être qu'heureux. C'est évident qu'il y a une donne et que les gens ont réparti dans un sac et que ça donne comme ça. Et c'est intéressant aussi parce que, moi je ne sais pas pourquoi chez les encavés des esprits des morts de type maternel ont pris cette place-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est toujours des glissements à la marge. Que j'ai un esprit des morts récent qui grignote le pied des vivants, ou un esprit des morts ancien qui va les transformer en cadavres, c'est dans la même logique. C'est non seulement dans la même logique, mais c'est toujours du découpage et des choses comme ça. Que j'ai un oncle maternel qui jette des sorts pour que les enfants grandissent pas bien parce qu'on n'a pas payé la vie qu'ils ont donnée, on ne lui aura pas donné suffisamment de gibier. Ou que j'ai une meute, donc le maternel, vraiment très antipathique, qui bute tout le monde et qui bouffe tout le monde, c'est la même chose. Comment tout ça coalesce, hein? On parle d'émergence. J'adore les histoires de... C'est pour dire un mot sympa pour les philosophes, c'est que je l'appelle émergence. Que je l'appelle exaptation. Vous savez ce que c'est l'exaptation? L'exaptation, c'est Stephen Jay Gould qui a expliqué avec une autre dame qui s'appelle Elisabeth Vbra, que je ne saurais pas écrire, VBRA. Et l'exaptation, c'est quand un organe, par suite de mini-transformations, assume une fonction pour laquelle il n'était pas créé. Exemple standard, les poils des animaux sont là pour réguler la température du corps. Les plumes viennent des poils. Les plumes permettent de voler. Exaptation. Hein. Je ne suis pas du tout... Je connais très très mal Simondon, mais j'ai cru comprendre que la notion de... Ah, évidemment. Je ne vais pas y arriver. Ah, ça, c'était prévu. C'est pareil. Des machins différents, voire contraires, dans des registres différents, qui, pour des raisons que tout le monde ignore, font apparaître du nouveau. La transduction, l'émergence, l'exaptation, la résonance périssologique chez moi-même, on ne sait pas comment ça peut faire apparaître du totalement et du radicalement différent, si ce n'est que c'est à la marge, et ça nous permet de corriger cette notion de système par laquelle on a tous été élevés quand on était petits et jeunes. On nous a toujours, c'était l'époque de l'effet papillon aussi, un papillon bat des ailes, je ne sais où, il y a une tornade à Vancouver. Ok les mecs, tout se vaut pas dans un système. On ne sait pas ce qui va se transformer, mais tout se vaut pas. Tout se vaut pas. Et il y a des phénomènes redondants, et une suite de variantes redondantes peut donner du formidablement nouveau. Mais tout se vaut pas, hein, et tout se vaut pas. Donc ça, ça nous rapproche petit à petit de l'anthropologie ethnique. Qu'est-ce que je peux dire des Hombo? Quand on était là en 87, il y avait un chasseur de sorcières. Un boss sanguma, ça se dit en pidgin, c'est-à-dire le patron des sangumas. Alors il regardait les gens, il disait « Ouais, un truc pas net dans ton...
Ou alors toujours des pauvrettes, la pauvre fille. Mais... On a vu des mouches, là, des trucs bizarres, des lucioles sortir de ton vagin pendant que tu dormais. La pauvre fille, non, je ne suis pas une sorcière, non, je ne suis pas une sorcière. Putain, misérable. Sans jamais accuser les gens, à coup sûr. Alors, si c'était un homme, il disait, bah oui, bah, écoutez, je m'en fous et je m'en vais. Donc, ça s'arrêtait là. Mais il y a deux femmes en cave qui ont été découpées en morceaux et jetées sur l'ébauche de terrain d'aviation que construisait le missionnaire américain. Comme quoi, voilà. De l'autre côté, la vallée quand même. Nous, ils n'auraient pas découpé quelqu'un devant nous. Enfin, ils n'auraient pas fait un truc pareil, mais bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que les boss Sangoma ont disparu. On a laissé les Hombo, on a laissé l'imaginaire des Hombo, des Sangoma, des monstres cannibales, mais dans ce système, il ne peut pas y avoir un spécialiste chasseur de sorcières. Et ça s'est fini de façon, par l'initiative d'une personne qui s'appelle Peter Saapicho, dont j'ai recueilli la vie en taux piscine, que je suis censé traduire, je ne publierai jamais parce que je n'ai pas le temps, enfin, un jour. Et Peter Saapicho, qui est un monsieur, qui était le principal informateur du linguiste américain dans la vallée d'à côté, qui a fait l'école quand le linguiste américain est parti. Le linguiste américain est parti, l'autre, il lui a accroché les jambes en pleurant. Ne t'inquiète pas, nous nous reverrons au paradis. Ils n'ont plus jamais entendu parler de lui, sauf un jour où je les ai mis en connexion directe par un téléphone satellite. Et là, il y avait des larmes un peu partout. C'est un mec formidable, Peter Saapicho. C'est lui qui dit non, non, on monte de 300 mètres parce qu'on va tous crever du paludisme. Et les gens obéissent. Et un jour, Peter Saapicho a dit, le premier qui tue une femme Hombo, il n'a pas dit les Hombo n'existent pas, le premier qui tue une femme Hombo, moi je le capture et je l'emmène aux flics à 5 jours de marche d'ici. Il n'y a plus de chasseurs de Hombo. Alors ce qui est formidable, et je vais finir là-dessus, c'est que chez les Barouya, il y a des rites de mort, bien sûr, mais il n'y a rien qui ressemble à ça. Ça s'arrête pile poil à la montagne qui est en face chez nous. Chez les Ikwayé étudiés par Mimika, ça n'existe pas. Chez les Sambia, il n'y en a pas. Chez les Wachakès, il n'y en a pas. Chez les Kapao, il y a des gens qui battent tambour. Alors battre tambour pour des morts qui sont sous l'eau, ça vient de la côte sud. Les Hangas sont, paraît-il, dans le coin où ils sont depuis 12 000 ans, dit la génétique mitochondrienne, je ne sais pas quoi. On n'en sait rien, même si c'est 5 000, ça fait très longtemps quand même. Il est venu quelque chose du sud, il connaissait bien le sud, ils allaient, le poste de Kerema a été ouvert en 1907 ou 1908 parce que les coucou-coucou, on n'ose plus dire coucou-coucou, ça veut dire voleur, fuite vaginale, enfin c'est pas sympa, on les appelle Anga, mais eux-mêmes s'appellent parfois coucou-coucou, donc on a encore le droit de dire, les coucou-coucou tuaient les gens sur la côte, donc ils avaient des contacts avec les sociétés du... Il y a un patrol report du gouverneur, annual report, Papua annual report. Et le gars dit, le soir du 25 décembre, nous avons vu, mais je crois qu'il se trompe, mais il le dit quand même, on a vu passer un coucou-coucou, portant, il y avait un pied qui dépassait de son filet de portage. C'est évident que c'était un bébé, mais quand même. En 79, avec Jean-Luc Laurie, on a remonté la rivière Velala, avec un patrol officer, qui est parti arrêter des criminels. Donc on n'est pas allé avec eux, parce que faire les premiers contacts, prise de contact avec une société en étant avec un flic, hein, ça ne se posait pas. Et le type n'est pas revenu au bout de 4 jours. Et le monsieur qui était avec nous, chef du canot, si j'ose dire, interprète 3 ou 4 langues, parlant anglais mieux que moi, a dit « Les coucou-coucou les ont tués et mangés, retournons à Kerema chercher des revolvers. » 1979. Donc la réputation des coucou-coucou, c'est quand même... Ça reste. Hein. Aujourd'hui, à Port Moresby, il y a des coucou-coucou security qui sont dessinés en affiche avec un pagne, une cape d'écorce, le petit top-note là-haut, un arc et des flèches à la main. On travaille, oui, j'en aurais besoin pour la suite sur les initiations, on travaille chez des gens qui étaient fondamentalement des guerriers.